Il faudra un jour vraiment qu'on utilise nos langues et qu'on cesse de nous tortiller pour traduire en français ou en anglais. Ça perd toute sa force. Mais comme vous voyez ici, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons mis ce tableau. Ce tableau est là depuis et ça représente tout le Cameroun. Tous les enfants du Cameroun qui se sont levés pour dire non à la domination étrangère. Et ils voyaient loin. Parce que nous qui avons subi les conséquences, nous savons ce que c'est que la domination étrangère. Mais eux, ils se sont levés parce qu'ils ont compris très tôt. Si c'est leur prise au bel qui a commencé, parce que quand on regarde la date, Hickory Town, Bonaberry, Janela Samlok Pissot, Koumabape. Il a combattu de 1884 à 1885. Et le chef de l'armée allemande, c'était l'amiral Knorr. Et nous avons fait un effort pour qu'à chaque fois, on sache qui était l'adversaire, qui voulait envahir le territoire. Aujourd'hui, c'est le jour du roi. Les Allemands écrivaient Wilhelm Incoy parce qu'ils entendaient comme ça Wilhelm, mais c'est Wilhelm Incoy ou Wilhelm Incoy. Et vous voyez, les soldats qu'il a pu mobiliser, il a pu mobiliser 12 000 à 14 000 boulous. En quelle année? Et vous voyez bien ici, il a combattu le 13 août 1899 contre qui? Le baron Madsen, qui était le chef de l'armée allemande. Mais il n'a pas baissé les bras. Le 25 novembre 1899, c'est un autre, von Kamps, ensuite capitaine Tannenberg. Et cela a duré pendant plus d'un an. Plus d'un an qu'il a résisté contre l'armée allemande. C'est pour cela que les descendants de Wilhelm Incoy sont les bienvenus sur cette terre de Lok Prizobel. Makutuyo, Lamangama, et mon Aïna, Aïna. Chaque année, nous allons choisir dans une région celui qui a été vaillant et nous allons le célébrer parce que le Cameroun est un et indivisible. Je voudrais que nous puissions restituer au chef Ekang ce que nous avons pu avoir des vieux Ekang que nous avons interrogés dans les années 1981 jusqu'à 1986. On voulait qu'ils nous disent, mais qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Comment est-ce que vous viviez avant les Blancs? Et qu'est-ce qui s'est passé quand les Blancs sont arrivés chez vous? Je me corromps.
Yuma Kobo. Leur Majesté, notabilité coutumière, Mesdames, Messieurs, autorités de tous bords, en vos rangs gras et titres, c'est avec beaucoup d'émotion que le peuple Ekam prend la parole ici, en ce lieu et en ce moment. Yassenale. Allez. La délégation du peuple Ekam, qu'on retrouve dans les bordures de l'Est, région, du Centre, région, du Sud, région, est ici présentée dans ces trois composantes trinitaires. Nous avons l'Est, conduit par Sa Majesté Bala Premier Jean-Claude, chef de premier degré des Makas à Abomba. Nous avons le Centre, conduit par Bala Jean-Charles, Mpunam, dans la réalité, représentant le chef Warangéba ici. Nous avons celle du Sud, conduite par, en réalité, le prince à sous-ordre que les chefs ont désigné pour conduire la délégation. Il s'agit du patriarche Guilabou Albert Thierry. À côté de lui, il y a la digne famille de celui pour qui nous sommes venus célébrer les mérites, honorer le temps passé sur terre. Il y a entre autres Evina, Joseph, René. Lui, Sa Majesté, Etienne Calvin, chef de troisième brigade. Le village qui aujourd'hui représente les reliques, la dynastie de celui que nous célébrons aujourd'hui. Je ne vais pas vous rappeler que quand j'ai parlé de la région du Centre, j'ai parlé de tous les clans qu'on peut y avoir. Il y a les Bafia, il y a les Etol, il y a les Veti. Il y a les Ewondo, ils sont tous là. Quand j'ai parlé de l'Est, je ne vais pas citer. Il y a les Makai, il y a les Mbouach, il y a les Baya, ils sont là. Quand j'ai parlé du Sud, je ne vais pas les citer. Il y a les Boulou, il y a les Beneux, il y a les Foum, il y a les Petits. C'est nous tous qui sommes ici représentés. Yassenale. Anenale. Yassenale. Anenale. Très cher prince. Voilà la délégation qui est venue ici pour honorer celui qui nous a fait tant d'honneur. Et nous sommes préparés à implanter ici son esprit et son énergie afin que tous ceux qui viendront ici puissent être irradiés de cette énergie, que cette énergie les accompagne afin qu'ils puissent être des conquérants autant qu'il a été. C'est ce que nous sommes venus accomplir ici. Et nous sommes préparés pour cela dans toutes les formes. Celui qui vous parle, c'est Mvondo Mvondo. Un pangosono mengi. Oyonga femme. Oui. Oyonga femme. Oui. Oyonga binga. Au-delà de l'hommage que nous voulons rendre à notre compatriote, ce jour va s'ajouter à ce que nous avons déjà fait les autres années. Et qui, je suis sûr, va permettre à ce que Dieu vous donne l'amour de faire d'autres hommages à d'autres personnes. Le Sultan s'est dit qu'il ne peut pas passer
Mbambe kumamba podu wala Evina mikwe obudu wone Bani mila na nimbo Wete meonja e Oh papa, c'est eux qui ont écrit. Oh moussa mande se sona kwa la dena. Ouais, ouais, ouais. Témoignage poignant de patriarche au loup. Ouais, 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 ouais. Baba Ngambo, Aloïs et Cindy, Félix et Zoga. Très riche, Obona. Ma, Adana. Saint patriarche camerounais. Oyanga femme, Oyanga femme, Oyanga binga. Et maman, belle, va dire, la vie sonne, il doit la couer. Et maman, belle, va dire, la vie sonne, il doit la couer. Voilà, et maman, belle, va dire, la vie sonne, il doit la couer. Et maman, belle, va dire, la vie sonne, il doit la couer.